De cette édition, le deuil vient encore une fois de plus frapper la télévision nationale congolaise, mais cette fois-ci avec plus de méchanceté. Deux journalistes, Diop Ousmane Bungu et Christian Asunga, ont quitté la Terre des Hommes cet après-midi. L'évocation de ces deux professionnels du micro et de la plume dans ce reportage de Serge Bruno Mienata. L'atmosphère était lourde dans la salle de rédaction du Télécongo. En l'espace de quelques heures, deux grands reporters de la rédaction française ont rendu l'âme. Il s'agit de Christian Asunga, dont la rigueur dans le travail n'était plus à démontrer, et de Diop Mbungu. Ce dernier couvrait depuis des années les activités de la primature. D'abord sous Isidore Mvuba, ensuite sous Clément Mamba, puis sous Coline Makosso. Après une longue période d'attente, le premier ministre, chef du gouvernement, est enfin connu. Il s'agit de Anatole Coline Makosso, précédemment ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Très actifs, ces deux grands journalistes accomplissaient leur tâche au sein de la rédaction française. C'est avec une grande émotion que nous avons appris ce samedi le décès tout d'abord de notre collègue et confrère Christian David Asunga. Et pendant qu'on cherchait à comprendre les raisons de sa mort, en tout cas en l'espace de 30 minutes, une autre nouvelle est venue nous bouleverser. C'est celle du décès d'un autre collègue, Diop Mbungu. Nos deux collègues nous quittent toujours à fleur de l'âge. Hein. Je crois que la télévision nationale congolaise avait encore beaucoup à recevoir d'eux parce qu'ils étaient très entreprenants, ils étaient des hommes de terrain. Si Christian Asunga est décédé après avoir été à Haïti pendant quelques jours, Diop Mbungu, par contre, a été présent à son poste de travail jusqu'à jeudi dernier. Dieu a donné. Dieu a reçu. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.